Alors voilà, mon vœu a été à moitié exaucé parce que je suis à côté de Dalida. Je dis à moitié parce qu'entre-temps, Daniel est parti. Elle est partie balayer dans le coin là-bas. Ce n'est pas votre métier de faire ça. Bon, alors voilà, je fais cette présentation assis parce que le grand jeune homme qui est là, si jamais on le laisse debout et moi à côté, j'ai l'air d'un nain. Voilà, c'est une découverte de Dalida. Dalida l'a remarqué. Expliquez-nous un peu, parlez-nous de Manuel Guazzi. C'est-à-dire, j'ai remarqué Manuel Guazzi, et d'abord, je dois dire qu'il nous vient du Midi, d'Aix-en-Provence plus exactement. Il est remarquable déjà au départ. Oui, c'est exact, il est très très grand. Mais ce que j'ai bien aimé en lui, c'est son côté doux et romantique. Et je trouve que ce sont des côtés qu'à notre époque de violence et d'agressivité, on ne rencontre pas très très souvent. Et en plus, j'aime ses chansons, c'est son premier disque, donc on ne peut pas demander beaucoup à un jeune homme, mais... Je crois qu'il ira loin, Manuel Guazzi. En tout cas, je lui souhaite. Voilà, ben c'est imagé et on va lui... Il a dit merci. Il est timide, je traduis. Il a dit merci. Alors voilà, vous allez gravir les marches du succès une à une, au sens propre, au sens figuré. Allez-y, c'est parti. Tu peux garder ton sourire pour d'autres hommes. Tu peux garder ton sourire, je n'y crois plus. Tu peux le donner à ceux qui le réclame. Ne me fais pas cette fois le coup du charme. L'amour n'est pas un jeu. Tu peux garder ton sourire pour d'autres hommes. Je n'ai plus rien à te dire.